Bonjour, Madame Zohra Derdouli, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, les TIC, les technologies de l'information et de la communication, entre retard qu'accuse le secteur et priorité de l'État, quelles actions engagées aujourd'hui pour booster ce secteur à forte valeur rajoutée, Madame Derdouli? Bien, tout d'abord, je voudrais préciser une chose en ce qui concerne le retard. Il est vrai que le secteur des télécommunications et de la poste a pris un peu de retard dans le pays, dans le sens où il y avait beaucoup de choses à faire en matière d'infrastructure, en matière de réseau postal et réseau de télécommunications. Aujourd'hui, la situation a beaucoup changé. Alors, j'interviens tout de suite par rapport au classement. Le classement de l'Algérie dans le secteur des télécommunications, qui généralement est un classement des plus bas. Eh bien, la situation n'est pas tout à fait réelle. Premièrement, parce que ce classement se fait souvent sur la base de chiffres qui ne sont pas les chiffres officiels. D'une part, parce que nous étions absents et nous faisons un effort maintenant pour qu'au niveau international, ces chiffres soient les bons chiffres soient transmis en temps voulu afin de permettre à l'Algérie d'avoir sa vraie place. D'autre part, nous avons en Algérie constaté, et là la majorité des Algériens peuvent le dire, il est vrai qu'il y a encore des faiblesses, mais la majorité des Algériens peuvent le dire, il y a une nette amélioration en matière de télécommunications et en matière de réseau postal. Alors, nous faisons des efforts. Quelles sont les actions engagées pour booster ce secteur et combler le retard accusé, Madame Derdouli? Alors, pour booster le secteur, la première des choses, c'est continuer à travailler sur le réseau des télécommunications. En matière de réseau de télécommunications, nous l'exprimons souvent, on dit qu'on a 70 000 km de fibre optique sur le territoire algérien, dont 60 000 pour Algérie Télécom. Les 10 000 autres sont c'est la fibre optique de réseau de Sonatrax, Sonelgaz et d'autres intervenants. Alors, en matière de réseau, nous avons un maillage extraordinaire et je peux vous dire que tous les experts qui viennent en Algérie sont étonnés de voir un réseau aussi important. Lorsque nous annonçons ces chiffres au niveau international, les gens ne sont vraiment surpris de l'importance de ce réseau. Il ne suffit pas d'avoir une grande étendue de réseau, il faut aussi avoir la qualité. Alors, le travail que nous faisons depuis maintenant plus d'une année, c'est de préparer. Nous avons dans les grandes villes, particulièrement, un réseau qui est vétuste. Donc, l'objectif, c'est de remplacer tout ce réseau par des réseaux plus adéquats aujourd'hui, qui répondent à la demande et qui aussi se projettent sur le futur. C'est pour cette raison que nous avons introduit de nouvelles technologies et des équipements des plus modernes en Algérie. Donc plus de moyens, des infrastructures, une plateforme numérique, puisque c'est des technologies qui se développent très très rapidement. Mais est-ce qu'on est en train de combler ce retard aussi rapidement que ces technologies se développent aujourd'hui, Madame Derdouli? Effectivement, on est en train de combler ce retard de façon assez spectaculaire, puisqu'on est passé en une année d'une densité de télécommunications qui était de 6% à 24%. Chose que d'autres pays, notamment nos voisins, n'ont pu obtenir qu'après 5 années. En une année, nous avons réalisé un bond extraordinaire en matière de télécommunications. Et l'ensemble des Algériens, où qu'ils soient, peuvent aujourd'hui constater qu'il y a une nette amélioration. C'est fini les coupures, par exemple, de l'Internet qui duraient des heures, qui duraient lorsqu'on voulait downloader ou télécharger un programme. Mais il y a toujours des coupures. Très longtemps. Il y a effectivement des coupures, mais les coupures sont souvent dues, et ça malheureusement, nous essayons de faire de gros efforts par rapport à cela, sont souvent dues à des raisons externes.
Par exemple, des travaux. Par exemple, des vols de câbles. Et là, nous sommes encore victimes. Alors, les solutions par rapport au vol de câbles, notamment le vol de câbles en cuivre, c'est de remplacer tout ce qui est câble en cuivre par de la fibre optique. Et de gros efforts seront faits dans ce sens pour que le maillage soit complet. Cela va prendre un peu de temps parce qu'il s'agit pour le moment de faire, de ramener les axes, le réseau le plus proche possible du citoyen, mais par des MSAN, hein, des équipements modernes qui permettent, qui donnent une grande capacité d'accès, de connexion, un grand nombre donc de clients qui peuvent être raccordés et à un très bon débit. Seulement, le raccordement des clients à ces MSAN nécessite un peu de temps parce que c'est le last kilomètre, le dernier kilomètre qui nécessite beaucoup d'interventions, beaucoup de... Et Algérie Télécom seule ne peut pas pourvoir à l'immense demande. Alors c'est pour ça que nous sommes en train d'envisager des solutions qui consistent à faire intervenir peut-être de nouveaux acteurs qui prendraient en charge le dernier kilomètre. C'est-à-dire, en termes clairs, qu'est-ce que vous entendez par faire intervenir de nouveaux opérateurs? Nous pensons à des solutions et nous travaillons avec l'autorité de régulation de la Poste et des Télécommunications pour introduire une nouvelle activité, par exemple pour la Wi-Fi outdoor. Par exemple, Algérie Télécom ramènerait, ou n'importe lequel des opérateurs, ramènerait à une position particulière, une zone particulière, un accès généralisé et qui pourrait être pris en charge au niveau local par un petit opérateur. Alors, mais l'ouverture, excusez-moi, et ça permettra à de nouveaux opérateurs, particulièrement des jeunes, et nous pensons utiliser un maximum de jeunes pour pouvoir être de nouveaux acteurs dans ce grand réseau des télécommunications. Alors vous dites et vous déclarez qu'Algérie Télécom ALCE ne peut pas répondre à toute cette forte demande aujourd'hui. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, on pense à l'ouverture éventuelle du fixe à l'investissement national ou étranger? Je l'ai à plusieurs reprises répété moi-même que l'ouverture du fixe à d'autres... D'abord, il faudrait qu'il y ait une demande ferme d'un opérateur quelconque, ce que nous n'avons pas. Deuxièmement, il faut que ce soit des conditions draconiennes. On n'acceptera pas, dans n'importe quelle condition, un autre opérateur qui interviendrait dans le réseau public d'Algérie Télécom, qui est un réseau de souveraineté. Le secteur étant un secteur stratégique, nous avons toujours dit que nous conseillons et nous préférons que ce secteur reste entièrement géré par des locaux, des AGM. Mais à défaut, alors, l'ouverture du capital d'Algérie Télécom, c'est une question qui pourrait être envisagée ou qui est envisagée au niveau du gouvernement, Madame Derdori? Pour le moment, il n'en est pas question. Pour le moment, il n'en est pas question. La solution qui consiste à prendre d'autres opérateurs qui joueraient un rôle complémentaire avec l'opérateur de public, oui, c'est une solution qui est envisagée. À moyen ou à court terme? À court terme. Alors, autre question, Madame Derdori, par rapport à la téléphonie mobile, la licence pour la 4G mobile, c'est pour bientôt, puisque parmi les opérateurs, ils souhaitaient déjà, par le passé, aller directement vers la 4G au lieu de passer par la 3G, vu le retard qui avait été accusé par l'Algérie dans ce domaine. Eh bien, nous avons prouvé, je pense, que ceux qui prêchaient pour la 4G immédiatement se sont trompés, puisqu'aujourd'hui, la 3G progresse de façon spectaculaire. La 3G donne satisfaction aux Algériens et la 3G a boosté la position de l'Algérie en matière de télécommunication. La 4G viendra en 100 ans. Nous avions promis que la 4G mobile sera prise en charge à la fin de l'année et nous y travaillons de façon
soutenu. Donc à la fin de l'année, il y aura la licence 4G pour les opérateurs. À la fin de l'année, il y aura, on annoncera un programme pour la licence 4G. Il ne faut pas que la 4G vienne comme se substituer à la 3G. La 4G, ça sera une solution complémentaire que l'on va rajouter pour les utilisateurs. Tous les Algériens n'ont pas forcément besoin de la 4G. Quelle est la différence entre la 4G? C'est le débit, c'est le temps d'accès ou le temps de... C'est les délais de connexion. Donc on n'a pas forcément besoin aujourd'hui la 3G et la DSL, de même que la 4G LTE fixe, donne. Alors Madame Zola Dolé, vous avez écarté dans la première partie de l'invité de la rédaction l'éventualité de l'ouverture du capital d'Algérie Télécom pour la téléphonie fixe. Par rapport justement à la téléphonie mobile, on parle de l'ouverture du capital de Mobilis. Est-ce le cas? Non, pour le moment, il n'y a pas de proposition par rapport à l'ouverture du capital de Mobilis. À plusieurs reprises, nous avons été approchés par des groupes qui auraient été intéressés, mais aucune proposition n'est venue à ce jour. Quelles que soient ces propositions, nous allons les examiner de très près. Pour nous, il n'est pas question de... puisque maintenant nous avons des opérateurs qui sont bien développés, qui avancent bien, qui progressent de façon très acceptable au niveau international, nous pourrions envisager la possibilité de voir nos opérateurs, quels qu'ils soient, aller, que ce soit Algérie Télécom ou Mobilis, aller vers d'autres pays, aller prendre part dans des capitaux d'autres opérateurs étrangers. Mais pour ceux qui voudraient venir en Algérie, pour être partenaire soit d'Algérie Télécom, soit de Mobilis, nous regarderons de très près. Alors pourtant, on parle d'un opérateur français, je le citerai, si vous permettez, Orange, qui serait intéressé d'entrer dans le capital de Mobilis. Il aurait manifesté son intention aussi d'investir dans Mobilis. Est-ce que c'est vrai aussi ces rumeurs qui sont relayées aujourd'hui? Ce n'est que des intentions, nous n'avons rien reçu à ce jour. Alors, autre question, vous dites que Algérie Télécom et Mobilis pourraient éventuellement aller investir à l'étranger, c'est ça? Ils sont autorisés nous à aller investir? Nous envisageons... De prendre des parts de capital dans d'autres entreprises à l'étranger? Ce n'est pas exclu que nos opérateurs prennent part, que deviennent opérateurs à l'étranger, comme ils maîtrisent suffisamment aujourd'hui les technologies. L'expérience algérienne est une expérience intéressante, surtout au niveau africain. La possibilité, si elle s'offre, on n'hésitera pas, on ira aussi prendre part dans l'économie d'autres pays. Donc l'option retenue éventuellement par rapport à ce que vous déclarez, c'est d'aller vers l'Afrique, dans un premier temps. Ou là où ça se présente. Alors, autre question, Madame Dolgouli, aujourd'hui, l'État détient 51% des parts d'Easy. Est-ce qu'on peut considérer éventuellement que l'État aujourd'hui a le droit de regard sur la gestion de cet opérateur ou pas du tout? Jay-Z reste un opérateur qui a toujours eu sa place dans le domaine des technologies en Algérie. C'est un opérateur qui a progressé, qui se développe très bien, qui a progressé de façon spectaculaire dans les années 2000 et qui progresse très bien aujourd'hui. Cet opérateur, il n'était pas question de mettre de côté cet opérateur lorsque des difficultés se sont présentées. L'Algérie a pensé à des solutions et la solution qui a consisté à intégrer dans le capital 51%
pris en charge par le FMI des capitaux de cet opérateur, va permettre aux Algériens de voir un peu plus près ce qui se passe au niveau de cette entreprise. Mais je pense que cette entreprise, elle est composée d'un grand nombre d'Algériens et qu'on n'a pas besoin, au niveau de la gestion, de regarder de très près. L'essentiel, c'est qu'ils continuent à fournir le service, la continuité de service, la qualité de service aux citoyens algériens. Maintenant, en ce qui concerne le FMI, eh bien, le FMI aura droit de regard par rapport à toutes les décisions importantes qui risquent de changer le cours de cet opérateur. Alors, justement, par rapport à tous ces opérateurs activants sur le marché national, est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés sur, par exemple, le réseau Internet, sur les raccordements, sur les actions qui sont engagées? Oui, alors nous avons quelques chiffres par rapport aux accès Internet. D'abord, nous avons plusieurs solutions qui ont été mises en place. La première des solutions et qui existe depuis un certain nombre d'années, c'est la DSL. Aujourd'hui, nous avons 1 510 000 abonnés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 1 510 000 abonnés au niveau du fixe, de la DSL, c'est des abonnés par foyer ou entreprise. Donc c'est beaucoup de personnes qui sont connectées en même temps. Donc un grand nombre d'Algériens qui ont la possibilité d'avoir un accès Internet. En ce qui concerne le réseau mobile, et c'est très spectaculaire, en une année, nous sommes arrivés, donc avec la 3G, à avoir 8 231 000 abonnés. Et juste la première année, et nous avons un déploiement sur 5 années pour l'ensemble des opérateurs. Vous imaginez quel va être le nombre d'abonnés que nous allons avoir en Algérie. D'où le classement qui va changer de façon radicale. Il y a aussi la technologie 4G qui a été introduite, 4G fixe, LTE. Et nous avons actuellement près de 70 000, un peu plus de 70 000 abonnés. Et nous comptons pour la deuxième phase qui va démarrer en 2015. Avec, on a été un déploiement assez timide la première année parce qu'il n'a commencé qu'au mois de mai. La deuxième phase commencera très prochainement et là nous comptons atteindre les 2 millions d'abonnés éventuellement au courant de l'année, à la fin de la deuxième phase qui va s'étaler jusqu'à la fin 2016 ou peut-être moins. Alors madame... Et nous avons aussi, donc, oui. Au total actuellement nous avons 9 800 000 abonnés confondus, donc entreprises, foyers et individus. Alors justement, par rapport aux chiffres que vous communiquez à l'instant, Madame Derdoui, qu'est-ce qui explique le retard accusé dans la numérisation de l'administration à tous les niveaux, que ce soit pour les activités commerciales ou autres activités? Alors, aujourd'hui, personnellement, j'explique que le retard de la numérisation par rapport à l'approche. Nous avons pensé à une approche trop centralisée. Le grand projet RIG, qui avait été un projet où on voulait tout faire à un endroit, et il a été prouvé que cette solution n'était pas la bonne. Aujourd'hui, nous avons une autre approche qui consiste à numériser au niveau de chaque administration, et le cas se présente. Que ce soit au ministère de l'Intérieur, où il y a un grand projet de numérisation, au ministère de la Justice, où il y a, je ne prends ici que les ministères les plus importants, hein, je ne parle pas du ministère du Commerce, du ministère des Finances et beaucoup d'autres, qui aujourd'hui ont compris et ont déjà commencé à travailler par rapport à leur numérisation au niveau local, au niveau du secteur. Il reste maintenant, et c'est la responsabilité de notre secteur, des TIC, de
centraliser et de coordonner toutes ces informations qui vont être numérisées. Et c'est ça notre objectif, c'est ça, c'est le travail que nous engageons à réaliser. Mais on y va, il y a cette volonté politique aujourd'hui pour aller vers ça? Non seulement il y a cette volonté politique, mais aujourd'hui nous avons aussi les compétences et les moyens de le réaliser. Alors le paiement par Internet, eh bien, nous travaillons, est-ce qu'on fait aussi des pas? Eh bien nous travaillons... Ou de petits pas? De façon assidue, actuellement avec le ministère des Finances par rapport à ce projet de paiement par Internet. Et il y a déjà des choses qui vont se réaliser très prochainement. Nous travaillons aussi avec le ministère du Commerce par rapport à tout ce qui est e-commerce. Et nous travaillons avec le ministère de la Justice, et c'est très important, pour la protection des données personnelles. Mais le e-commerce, c'est un projet qui date de 2007, il devait prendre fin en 2010 avec son application totale. Or qu'aujourd'hui, il n'en est pratiquement rien. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de rattraper ce retard, Madame Derdouri, aujourd'hui? Est-ce que c'est une priorité? Parce que le monde entier est numérisé aujourd'hui. Oui, alors la priorité par rapport à l'ensemble de ces projets qui sont primordiaux, c'était la certification électronique. Parce qu'on ne peut rien faire si on n'a pas le climat de confiance nécessaire pour pouvoir faire des échanges électroniques. Nous avons enfin, aujourd'hui, la loi de la certification électronique qui a été mise en place. Oui, et ça va vous permettre un peu de faire de grands pas aujourd'hui, d'aller plus vite? Oui, effectivement. Alors maintenant, il faut que l'on se focalise sur la mise en place de tous ces organes qui vont prendre en charge la certification électronique. Le plus urgent à mettre en place, c'est, vous rappelez-vous, nous avons une organisation hiérarchique avec une autorité racine et deux entités filles, la gouvernementale et l'entité économique. Donc la mise en place de ces deux entités filles, ça reste, c'est une priorité pour nous actuellement. Et nous y travaillons de façon indue. Alors très rapidement sur ces questions, justement, les usagers d'Internet, votre priorité c'est raccorder tous les Algériens là où ils se trouvent, qu'ils soient à l'extrême sud du pays, au niveau des montagnes, dans les hauts plateaux, partout dans le pays, pour assurer ce désenclavement. Alors je vous annonce une bonne nouvelle, j'ai beaucoup parlé du service universel. Le service universel va démarrer à la fin mars. Et là, c'est un engagement. Le service universel consistera dans une première phase, d'abord vers les zones où il n'y a aucune connexion. Et nous avons pris la décision. Nous avons repéré 80 localités au niveau du territoire national qui n'ont absolument aucune connexion. Et nous allons d'abord commencer par ces localités pour introduire une technologie, quelle qu'elle soit cette technologie. Donc nous allons faire un appel d'offres à la concurrence des opérateurs, les quatre opérateurs, les trois opérateurs mobiles et l'opérateur de téléphonie fixe. Et il y aura dans très peu de temps, nous espérons, des connexions pour tous les Algériens. Alors, pour la Poste, une question seulement. Le carnet de chèques, les retards dans leur délivrance, comment le justifier aujourd'hui et l'expliquer alors qu'on parle, de la numérisation, Madame Derdouri? Alors on revient au problème de la Poste. La question des carnets de chèques, nous avons eu effectivement un retard par rapport au carnet de chèques parce que nous avons eu une défaillance technique des équipements d'Algérie Poste. Nous avons fait une opération coup de poing qui a duré 15 jours pour rattraper l'ensemble du retard que l'on avait cumulé. Ce que je peux vous dire, c'est que en moyenne, nous avons 22 000 demandes de carnet de chèque par jour. Et nous étions arrivés à un moment donné à presque un demi-million de demandes qui n'avaient pas été satisfaites. Aujourd'hui, nous avons distribué sur l'ensemble du territoire national tous les carnets de chèques qui avaient été demandés.
Et l'appel que je fais aujourd'hui aux citoyens, tous ceux qui ont demandé un carnet de chèques, ils peuvent le retrouver, ils peuvent aller au niveau de leur bureau de poste pour le récupérer, puisque tous les carnets de chèques ont été imprimés et envoyés dans les différents bureaux de poste. Madame Zohra Dredoli, merci d'avoir répondu à la question, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée, à bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée à vous aussi.